Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos et n'hésitez pas si vous avez une suggestion ou une demande de me le faire en commentaire et je n'hésiterai pas de vous répondre. Si vous avez besoin d'une thématique, si vous voulez que j'aborde une thématique, dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de savoir comment créer son compte ANTS. C'est quoi le compte ANTS? C'est le compte de l'Agence nationale des titres sécurisés. Ce compte, il vous permet de faire vos démarches en ligne pour l'échange de permis, d'un certificat d'immatriculation, d'une carte grise, passeport pour les Français et permis de conduire pour des personnes ayant obtenu le permis français. Pour cela, vous allez vous diriger sur ce site ANTS dans mon compte. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Pas de compte. Une fois sur les liens, vous allez cliquer sur créer mon compte. Arrivé ici, vous pouvez créer ce compte en vous connectant directement via France Connect. Pour ceux qui savent ce que c'est que France Connect, vous cliquez juste là. Vous cliquez s'identifier avec France Connect. Vous pouvez vous identifier avec France Connect avec votre autre numéro des impôts, donc avec votre compte des impôts, votre numéro de sécurité sociale, votre identité numérique de la poste, votre mobile Connectez-moi ou votre compte MSA dans la santé, famille, recruter service. Si c'est le cas, vous cliquez sur, vous faites un choix. Si vous n'avez pas un de ces comptes et que vous ne connaissez pas comment le faire, vous revenez ici, vous cliquez sur créer mon compte et vous cliquez là. Créer un compte ANTS. Une fois là, vous allez renseigner ici votre identité. Ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent créer un compte ANTS. Il y a des particuliers, il y a des auto-écoles, des centres de sensibilisation à la sécurité routière, des personnes morales, une mairie, prof de vente automobile, loueur, centre VH. Donc, ce qui va nous concerner, c'est donc pour des particuliers, vous allez cliquer là. Vous allez renseigner votre sexe. Ici, vous allez renseigner votre nom et prénom, date de naissance, votre adresse courriel, donc votre adresse email. Vous allez confirmer votre adresse email ici. Vous allez mettre votre numéro de téléphone ici. Vous allez créer un mot de passe. Donc, le mot de passe, il doit avoir au minimum 8 caractères et qui doit respecter ces conditions. Une fois que vous avez rempli dans ces conditions et que vous êtes d'accord sur les conditions générales d'utilisation du site de l'ANTS, vous cliquez dans ce « J'ai pris connaissance ». Pour montrer que vous n'êtes pas un robot, on vous dit « Enveloppe » ici. Donc, vous allez cliquer sur une image qui correspond au mot qui est écrit ici. Donc, une fois là, vous allez cliquer sur « Créer mon compte ». Et une fois que vous avez créé le compte, vous allez recevoir un mail à partir de votre adresse email que vous avez renseigné ici, donc adresse courriel. Vous allez partir dans votre adresse email, vous allez valider le compte et par la suite, vous aurez un identifiant dont l'identifiant sera donc, vous allez recevoir le nom de l'identifiant et vous allez revenir donc sur me connecter. Vous allez mettre votre identifiant et le mot de passe que vous avez choisi. Vous allez voir encore ici un autre mot. Tout à l'heure, on était sur enveloppe et là, on nous dit réveil. On clique sur réveil et vous mettez votre identifiant ici et vous cliquez sur me connecter. Donc voilà, une fois que vous avez donc fait votre, vous avez créé votre compte, vous allez vous retrouver ici. Vous pouvez donc commencer vos demandes ici. Voilà. Dans les demandes d'immatriculation, les demandes sur le permis, les demandes, voilà, pour le passeport et la carte d'identité pour les Français. Voilà. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment créer son compte ANTS, donc sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. À la prochaine pour un nouveau tuto.